Bonjour mes petits camarades, nous sommes le mercredi 31 juillet 2019 et c'est le dernier jour du mois. Nous voici en vadrouille à la Croix-Caille, donc la Croix-Caille est le point culminant des Ardennes, donc ça doit être à plus de 400 mètres, je ne sais pas au mètre près, mais voilà. Hein. Je me dirige vers la tour du millénaire, donc on va avoir certainement de belles images, malgré le temps qui est incertain. Il ne pleut pas, mais c'est très couvert, il fait 16 degrés, donc par rapport à la semaine dernière, c'est un gros changement, mais c'est vrai que c'est très agréable pour marcher par contre. Hein. Voilà, ben, vous allez voir la suite avec moi, vous allez découvrir tout ça, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. De la tour du millénaire, une vue splendide. Regardez avec moi, bientôt. Magnifique, vous voyez, le temps est couvert, mais la vue est magnifique. Bon alors là, on est à l'endroit où est mesurée la hauteur de la Croix-Caille, donc 505 mètres, c'est beaucoup plus que ce que je vous disais, hein, c'est beaucoup plus de 400 mètres, plus 50 mètres de la tour du millénaire, ben voilà, 555 mètres.
Et bien voilà, je vous ai trouvé vos sapins de Noël. On est bien là, sur les hauteurs, ça sent bon. C'est vrai que le temps n'est pas de la partie. Il pleuviote, ça s'arrête, il repleuviote. Et puis, bah c'est quand même une très belle balade, hein. L'air est bon. Allez, à bientôt. Voilà, petite pause casse-croûte à la ferme Jacob. Alors il y a des tables, des bancs, ça a été aménagé là, hein, puisque c'est une sorte de refuge en fait maintenant la ferme Jacob. Hein. Donc voilà le casse-croûte de ce midi. Alors ben, nous avons des œufs. Alors 4 parce qu'il faut bien 4. Hein. 2 œufs égale un beefsteak, il m'en faut bien 2 quand même. Hein. Mon petit morceau d'emmental, ma banane, mon pain. Il y a déjà une guêpe dessus d'ailleurs, et puis ma bouteille d'eau. Je suis là dans mes vieilles pierres, hein. C'est bien sympathique cet endroit-là quand même. Hein. Voilà, voilà l'endroit où je vais casser la croûte ce midi. Bien sympathique. Puis c'est calme. C'est ce que j'aime moi. Hein. Allez, je vais vous souhaiter un bon appétit. À bientôt. Voilà, donc voilà le refuge. Hein. Il y a plusieurs possibilités hein, pour les gens qui sont de passage et qui font du ski de fond dans le coin. Là, ils peuvent s'abriter là. Parce que 505 mètres d'altitude, c'est quand même déjà quelque chose. Hein. Et bien, tout ça est bien bon. Hein. On part pour la bouche pleine, normalement. Voilà, tout ça pour vous dire que le casse-croûte a déjà pris une belle claque. Comme vous pouvez le voir. Il a été bien entamé, notre copain. Il me reste encore un œuf, un bout de fromage, ma banane. Je suis bien tranquille là. Bien au calme. Vraiment très bel endroit. Bon, on est ennuyé avec quelques guêpes. Mais voilà, il suffit de faire attention. L'avantage, hein, c'est que bah, dans ce refuge-là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une poubelle. J'aurais pas besoin de ramener mes déchets pour une fois. Alors, l'endroit est parfait. Hein. Parfait cet endroit-là. Hein. Il y a même un barbecue.
Ben, très bien. Et puis le soleil joue un peu à cache-cache, il revient, il s'en va. Là, visiblement, il est revenu. Bon, on va aller manger la banane, le dessert maintenant.